nous, ça va super méga giga bien, on est au taquet. Maman, est-ce que dans toutes les vidéos, dès que je serai là, tu vas faire ça? Oui. Donc vous l'avez vu il y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, j'avais fait un pancake art challenge avec Juju FitCat. Et Loulou m'a demandé, ok c'est bien beau, tu fais ça avec Juju, mais moi alors? Et du coup elle avait très très envie qu'on fasse ce challenge toutes les deux. Oui. Mais est-ce que tu es prête à perdre surtout? Non, je suis pas prête. Mais pourtant tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Oh, t'as vu le paquet card challenge? Juju FitCat elle dessine mieux que toi. Dégage. Quoi? C'est une blague, c'est moi qui ai gagné. Sur la plaque non? Ouais. Avant de commencer cette vidéo, on vous invite à venir découvrir, si c'est pas encore fait, notre nouveau site internet www.latelierderoxane.com. Vous allez pouvoir trouver plein de goodies, nos t-shirts, des suites, des tabliers, mon livre dédicacé et aussi les nouveaux stickers muraux XXL et j'en oublie d'autres, hein, des trousses, des coques de téléphone, bref, il y en a pour des tout le monde stylos, ouais, en fait, il y a trop de choses, j'en oublie plein. Ce sera plus simple, venez sur le site et venez découvrir ce qu'on vous propose. Je vous réexplique rapidement les règles. On a choisi des dessins. Oui. On va devoir les reproduire en pancake. Et à chaque manche, il y aura une gagnante. C'est Ninou qui va décider aujourd'hui. Et à la fin, celle qui a accumulé le plus de points est la gagnante de ce Pancake Art Challenge. Donc je vous invite aussi en commentaire à noter le numéro de chaque pancake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et à noter, selon vous, qui est la gagnante de quel pancake. Donc par exemple, pancake smiley, Roxane ou Loulou. Donc après, bon, on sait que ce sera Lou, Roxane gagnante à tous les pancakes, mais on va quand même le faire pour eux. Premier dessin, c'est Loulou qui l'a choisi, c'est le smiley cœur. Le smiley cœur. Bisous cœur. Je pense que papa peut lancer le chrono. Non, mais il y a le chrono. Non, mais genre nous donner un top départ. 3, 2, 1, go. Non, mais maman, fais pas vite, hein, j'ai peur. Allez-le. Loulou, si ça peut te rassurer, maman est vraiment nulle. Arrête! J'ai vu que tu me copies, hein. Non, j'ai pas. Oui, tu me copies. Eh, tu m'as pris moi? Ah bah c'est bon, c'est le jeu. Il a une grosse bouche, hein. On dirait qu'il est énervé. Ça s'envole, les trucs. Hé yeah. Oh! Franchement, je dis que c'est moi. Toi, il est... Mais... Et attends, toi, il est marron. Ça... Moi, c'est mieux, quoi. 1, 2, 3. Tadam, tin, 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 tin. Je pense qu'on s'est toutes les deux bien débrouillées, Loulou. Pour un premier, vraiment, je te tire mon chapeau. Quoi? Toi, il est cramé. Moi, il est allé à la plage, il a bronzé. Eh oui. C'est l'été bientôt. Quoi? Moi, là, pour le premier, je donnerai le point à Loulou quand même. Mais c'est une blague. Premier point pour Juan. Bravo. Je vais prendre ma revanche. Dessin numéro 2. On va faire un escargot trop mignon. Bon, là, il est bleu et marron. Nous, le marron, on va le remplacer par du rose. Ok. On lui fait une coquille rose. Et on... Enfin, ou ce que bleu, tu veux, mais en fait. Le bleu foncé. Voilà. Top. J'ai pris un dessin compliqué, en fait, bébé, là. Je me suis enflammée, je crois. Maman, c'est quoi ce truc que t'as choisi? Tente-le, Lou, tente-le. Avec l'aide de l'arbitrage, ça peut gagner. Non, mais attends, vous trichez pas, hein. Au pire, je peux pas le... Au pire, je le recopie pas, hein. Je le fais comme je veux. Ah, ça, ah, ça fait ses règles. Ben, c'est l'arbitre, il m'a dit oui. Je crois que Louane, elle est de mèche avec l'arbitre, hein. Moi, je vais tourner mon escargot, Ninou. Vas-y, 3. Oh, il est chou. Il est beau. Il est beau, mais Louane peut encore gagner. Mais Louane, elle a fait son propre escargot. Elle a pas suivi les règles. Je crois qu'il va décéder. Hein. Ah. Ah, il est trop beau, papa. Mais c'est une blague. Ouais. C'est trop beau. Maman, tu peux me passer une assiette? 3. 1, 2, 3. Tadam. Donne le point. J'étais bien déçu quand même. Bébé. Non, donne le point. Voilà, c'est maman qui gagne. Ah, ah. Il est beau de loin. Non, il est beau même de près. Arrête. Non, arrête. Moi, j'ai une trop bonne idée. On va faire un dessin avec un cœur et une flèche dans le cœur. Ok, c'est bon, je l'ai. C'est parti. Ça va être dur de nous départager, là, Ninou. Ça va se jouer sur les détails. C'est ça. Moi, c'est pour moi, ça, donc. Ouais. Oh, c'est mignon. Ça s'applique tôt, le loin. Là, il y a moyen de gagner. Ah oui, toi t'as fait un cœur XXL. Moi mon cœur il est pour papa. Je vais tourner mon cœur. C'est pas fou quoi. Tu veux que je t'aide à le remplir? On va plus vite à deux. Oui. Maman. Oh non. Non. Ça manquait un peu de couleur et d'amour. Papa, elle a perdu. Non, j'arrête. C'est laid. J'arrête. Vas-y. Oh! Go! Franchement, Loulou, tu t'es bien débrouillée quand même. Un bébé cœur, mais il est bien aussi, mon cœur, Ninou.
Franchement, il est pas mal, Nino. Je m'attendais un peu plus de travail. Ah, je vais donner point à Loulou. Hein. Non. Il est plus grand et il y a plus d'amour. Toi, il est tout petit, il n'y a pas d'amour. Ben, c'est pas parce qu'on a un petit cœur qu'on peut pas contenir beaucoup d'amour dedans, je dis. Et c'est le point pour Loulou. G2. Il y a clairement un complot. On passe au quatrième dessin. On va devoir dessiner papa. La tête de papa. Ok. Reste comme ça. Reste ne comme bouge ça. Pas. Ne bouge voilà. Pas. C'est prêt? C'est trop. Allez, go. Là, on est sur du haut niveau de dessin. T'es pressé de te voir, Ninou? Non, mais je pense que ce que t'as fait, c'est joli. On dirait qu'il est énervé, papa. T'y arrives? Ah, c'est la barbe. Toi, la barbe, tu l'as fait toute lisse. Mais il a un peu la tête carrée, papa, non? Ça va, papa, il m'a dit que c'est bon. Papa, bouge pas, je veux tes sourcils. Bébé, t'es prêt à découvrir ta tête? On dirait un hérisson. Pour le moment, rien que comme ça, je te trouve fort carré. Et voilà, c'est fini. On va découvrir papa. Mais tu sais que honnêtement, c'est pas mal, c'est franchement. Pas moche, hein. C'est vraiment pas moche, quoi. J'en ai marre. Non, c'est pas marre, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime du le tout. C'est juste pas fait pour le pancake crawl. Mais je crois que c'est. Mais en vrai, j'ai aucune fibre les artistique. Autres, ils font tout, ils font n'importe quoi et. Franchement, il est mignon. Mais grave, franchement, Ninou. Moi je préfère le. Moi aussi. Il est bizarre le tien. Mais le mien, je sais pas, j'avais un espèce d'hérisson humain. Mais elle, ses couleurs, elles restent mieux. Mais c'est bizarre. C'est la plaque. C'est la plaque. J'ai un désavantage majeur. Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, le point va aller à Loulou. On va faire un dessin, je crois qu'on l'a fait dans presque tous les Pancake Art Challenge. Là aussi, on s'inspire, pas d'un dessin. On va faire. Une glace. Au pire, on n'a qu'à la faire comme on veut. Exactement. Soit avec le cornet ou soit dans un pot normal. Ah ouais, bonne idée. Bon allez go, c'est parti pour la glace. Et ce qui est fou, c'est que j'ai déjà fait 3 Pancake Art Challenge. A chaque fois, ma glace est dégueulasse, mais à chaque fois, je reprends la même technique. Oh là, Loulou part en tronc. Ouais, je la sens active là. Ouais, ouais. On sent que la concentration est à son maximum. Franchement, je suis subjugué par ton de talent. Je pense que je suis en train de faire ma plus belle glace. Ouais. T'es d'accord? C'est vrai qu'elle est belle. Merci mon chat. Allez, je retourne. Regarde, ça l'a fait rire. Oh non, elle a collé. T'es prête? Oui. Et le problème, Ninou, c'est que là, t'étais largement devant, mais bon, c'est... Go. C'est un cornet. C'est un pot. Franchement. C'est un pot, c'est pas un cornet. Loulou. Un pot cornet. C'est un pot. C'est un pot. Bah Loulou, je vais donner le point à maman, alors du coup, si c'est un pot, ça passe. Mais c'est pas un pot. Il y a des traits, papa. Et alors, c'est un pot et ça existe, les pots en cornet. Maman gagne. Merci. Y a trop. Enfin une justice. Et attends, papa, je t'ai pas dit, mais derrière, j'ai fait ça, regarde. J'ai fait quelque chose qui est vermicelle et tout. Ok. T'as vu comme elle essaye de t'acheter? Mais non. On passe maintenant au dernier dessin. Donc, les scores, c'est 3 pour Louane, 2 pour moi. Donc pour faire bref, si Louane gagne, elle remporte la partie. Si je gagne, ce sera égalité. Et du coup, ben, dans une prochaine vidéo, on s'affrontera pour savoir qui est la vraie gagnante du Pancake Art Challenge. Ma Loulou, c'est toi qui as décidé qu'est-ce qu'on dessine pour ce dernier pancake? On va faire 2 bonbons. 2 bonbons. Non pas un, mais 2 bonbons. Oui, 2. T'as bien compris. Elle rigole. Je dis pourquoi. Parce que tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle voulait dessiner des bonbons avec un bol et plein de bonbons. Je lui ai dit non, on dessine un bonbon. Et elle m'a dit non, 2. J'ai dit non, 1, c'est mieux. Et là, maintenant qu'on tourne, elle dit 2 bonbons. Bon, bah alors, on va faire un bonbon. Bon, allez, 2 bonbons. C'est parti, 2 bonbons. Attention, c'est là que ça se joue la victoire, Louane. Hein. À vos marques, prêts? Je vais essayer une nouvelle technique. Qu'est-ce qu'il a fait? Bicolore. Pardon. Faudra pas te manger celui-là. Ouais, le deuxième est raté pour moi. Oh mais mes couleurs elles sont moches. Mais non mais elle me recopie. Bébé. Techniquement c'est pas de la triche, c'est de l'inspiration. On va montrer, Honnêtement, c'est très coloré chez Louane. Moi j'ai pas mis autant de couleurs. Attention, le jury va regarder et rendre délibération. On retourne maintenant. Tadam. Eh bien... Est-ce que c'est un bonbon, ça? C'est comme toi. Je pense qu'à l'unanimité, le jury donne son point à maman. Ah, du coup, on a égalité. Et oui, mesdames et messieurs. Ah ben oui, on a égalité.
Ça se termine sur une belle égalité. Je pense qu'il faudra refaire une revanche du pancake. En plus, Louane, bon voilà, c'était ton premier. Il a fallu que tu prennes tes marques. T'avais jamais dessiné avec de la crêpe, enfin avec de la pâte à crêpe. Du coup, c'était voilà, c'était ton premier essai. Donc, on a été plutôt indulgent. On a été gentil dans les dessins. Par contre, si on fait une revanche, faudra que tu me fasses New York en 2 minutes, quoi. On espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on s'est très bien amusé à la faire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Pensez au pouce bleu, au petit commentaire. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous. On vous aime. Ciao. Ciao. C'est moi qui vais gagner pour la prochaine. Non. 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 Non.